Ah, tellement hâte de retrouver nos trépidantes fermières. Dans cette petite maison qui commence quand même à prendre forme, je dis pas que c'est parfait. Ah oui, c'est vrai qu'il était là. Mince, il faut le faire disparaître, lui. Non, non, va-t'en, toi. Va-t'en. On venait juste d'avoir. Je vais vous baisser. Ah, un petit peu le son. On venait juste d'avoir la douche, qui était quand même une évolution assez incroyable. Franchement. Ah là là, je suis tellement content. On a une douche, quoi. Prochaine étape, je pense que ça va être de faire des toilettes ou peut-être un endroit pour manger, quelque chose, je sais pas trop. Oula. Ou alors, est-ce que je leur achèterais pas le truc pour fabriquer les meubles soi-même? Ça pourrait être pas mal aussi. Alors, tiens, on va s'occuper des poules. Elle devait faire quoi avec les poules? Nettoyer le poulailler, bah c'est une bonne chose. Des informations sur les œufs en arc-en-ciel. Tiens, elle a fait un œuf arc-en-ciel. La poule est LGBT. Alors, on va disperser de la nourriture. Et je crois qu'on va s'acheter une poubelle, hein, parce que là, ça commence à être compliqué. Oh là là, tout ce vent! Alors, voyons voir cet œuf arc-en-ciel. Excellent! Wouah! Incroyable, on pourrait quasiment acheter une autre poule. Mais d'abord, peut-être une poubelle. Où on économise pour avoir. Ouais, je pense qu'il faudrait une poubelle. Je vais regarder, tiens d'ailleurs, mais je suis pas sûr qu'on puisse faire de fabriquer nous-mêmes de poubelles. Fontaine. Ah d'accord, c'est pour. Ok, ça c'est chouette. D'accord. Rangement. Oh, elles sont dans quoi? Ah non, elles sont où mes poubelles en fait? Où est-ce qu'on peut mettre les poubelles? Je vais regarder directement là-dedans, ce sera peut-être plus simple. Et on va mettre ça, hein, tout simplement. Je pense que ça va être. Où est-ce qu'on peut mettre ça? On va mettre ça comme ça. Oh là là, ça coûte tellement cher. Tellement cher. Mais bon, voilà, on a fabriqué nous-mêmes une petite poubelle. Je regarde, mais je pense que c'est celle qui correspond le mieux à l'ambiance que je veux donner, hein. Il nous reste 175. Franchement, j'ai grave envie d'acheter une autre poule. Une poule. On va prendre une brune cette fois-ci. Voilà. On commence. Oh là là. Ah mince, j'avais dit qu'on. Il faudrait quand même qu'on cherchait des pièces. Ah oui, jeter. Bah tu vas chercher des pièces là-dedans et après tu vas jeter. Oula, elle s'est fait attaquer par le coq. Kiglousse. Eh ben voilà, tu t'appelleras Kiglousse. Ok, donc elle va acheter ça. Je pense qu'une des prochaines choses. Enfin, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est, je pense, tout simplement une barrière. Je sais pas si on aurait eu assez, mais on va essayer de mettre. D'enfermer le poulailler parce que ça commence à être compliqué, en fait, de les avoir. Qui traînent dans tous les sens. Mais ça, je pense que c'est bientôt. Ça a bientôt poussé. Bon, les filles. Punaise, elle est déjà sale, comment ça se fait? Elle est un peu fatiguée. Ah bah en même temps, il est bientôt l'heure d'aller se coucher, hein, maintenant que j'y pense. T'as peut-être le temps d'aller un peu pêcher. Qu'est-ce qui se passe?
quoi cette musique? Parce qu'elle est effrayée? C'est peut-être parce qu'elle est effrayée. On va faire rentrer les volailles. Ouais, toutes les volailles, hein, parce que je veux pas de volailles qui traînent. Surtout la nuit. Qui est cette dame? Elle a l'air énervée, mais j'aime bien son style. C'est une ado. Eh bien, les ados traînent dehors, apparemment. Bah écoute, va te coucher. Ça a l'air bon. Va te coucher. J'ai oublié qu'il y avait les factures aussi à payer maintenant que j'y pense. Après, comme je vous disais, honnêtement, je vois pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire contre nous, hein. Un si grand terrain comme ça. Bon, allez, arrête d'aller pêcher, toi. Les poules sont rentrées. Ben écoute, va te coucher. Allez au lit. Et espérons que... On va... Espérons que des plantes vont pousser demain. Oh là, va aux toilettes quand même et après retourne te coucher, hein, ma pauvre, parce que... Ah bah ça a poussé. Ah bah non. Ah, faire évoluer. Oh yes, ça c'est une bonne idée par contre. Par contre, c'est bientôt l'hiver en fait. Non, mais je pense que mon prochaine étape, c'est vraiment de... Ouais, il va falloir... Qu'est-ce qu'elles ont l'une et l'autre là? À la fin. Reste... Oula! Non, Trixie, stop! Oh! Bonjour, Trixie. On peut habiller Trixie. Wow. Vous inquiétez pas, les poules, je suis en train de distraire le renard. Mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de sortir maintenant, hein. Ah, il a l'air d'aimer, hein. Qu'est-ce qu'elle est... Ah, ok, elle est en train. Valentina a trouvé quelque chose. Ah. Ah, ok. L'engrais... Ok, elle a trouvé l'engrais. Bah, va acheter ça. Oh! Oh, quelle horreur! Stop, arrêtez! Bon, il a l'air d'apparemment. Je pense qu'il a arrêté. Yes! Alors, faire évoluer. Faire évoluer. Faire évoluer. Il a déjà évolué celui-là? Ensuite, on va tout récolter. Toi, tu vas aller désherber, pulvériser de l'acide. Non, pas de l'acide, peut-être. C'est le jour de loterie. Bah ouais, j'ai bien envie d'acheter un ticket de loterie. C'est dans le service, je crois. Oh, punaise, il revient. Eh oh! Ah bah on peut pas l'acheter puisqu'on n'a pas d'électricité, zut. Oh, quelle déception. Ah ouais, non, j'ai vraiment... Nous n'avons pas d'électricité. Parce qu'on n'a pas payé la facture. Oh là là. Stop, 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 stop. Ah! Non, 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 non. Oh là là, c'est pas vrai, stop. Allez.
On peut la mettre dans l'inventaire, waouh. Allez, essaye de... Non, non, surveille-le, hein, ne le laissez pas... Il s'en va? Punaise, il y en a pas mal, là, des renards, là, j'en peux plus, là, c'est mes poules tranquilles. Allons ramasser les œufs, toi, retourne... Toi, arroser tout ça... Et alors ça, c'est quoi? On pourrait rajouter un... Ouah! On a 3 œufs! 3 œufs! Regardons ça. Alors. Pouvant éclore, normal, non. Œuf en chocolat, non plus. Œuf bleu, excellent. Waouh! Mais alors, mes poulettes, vous voulez toujours pas faire de... Moi, je vous ai quand même recruté justement pour... Dans un but, et j'ai pas l'impression que... Je vois pas en tout cas faire beaucoup de bébés, et c'est ça qui m'inquiète, hein, les filles. Purée. Ah, c'est bon, il a l'air de s'en aller. Apport du renard, très fin. On va disperser de la nourriture à proximité. Moi, j'arrête pas de surveiller. Hein. Je suis vraiment. J'ai pas envie de perdre 150$ à cause d'un stupide renard. Hein. Allez, à table, les poules. Allez, venez manger. Lui, il est heureux. Elle a la faim. Ouh là là. Surveille-toi, hein, parce que l'autre, il est toujours... Ah, je crois qu'elle le fait automatiquement, parce que je l'ai pas vu... Fertiliser. Ah oui, avec les autres trucs, ok. Eh ben, ça avance bien notre histoire, hein. Bon, le renard est parti. Elle va se doucher. Bon, alors on va peut-être essayer de trouver une façon de faire un repas parce que là... Comment faire? Je réfléchis. Qu'est-ce qui serait le plus simple? Ah, ils nous ont coupé, ils nous coupent l'eau 2 fois. Oula, le renard, il est encore là en train de regarder. Purée. Je dois charmer tous les renards du coin, hein. Ça va être compliqué cette histoire. Bon, c'est bon, les poules, elles ont mangé. Kiglou, ça est un peu bête, hein. Toi, t'es quand même plus débrouillarde. Il est où le coq? Ah, j'ai 3 poules, je suis bête. J'ai cru que j'en avais... Enfin, 2 poules, j'ai cru que j'en avais 3. Arrête, vilain renard. Non! Il s'en va? Il s'en va, ok. Oh là là, ils me font peur, ils me font peur. Ouais, il faut vraiment que je trouve une solution là, parce que là ça va être trop compliqué. J'imagine qu'avec une barrière peut-être. Je ne sais pas, parce que là j'ai quasiment passé ma journée. Oh, c'est la fête des récoltes demain? La fête des récoltes, eh ben, mais on va pas pouvoir faire grand-chose parce qu'on n'a pas grand-chose, mais... Bon, il dégage ce run... Il est encore là, c'est pas vrai. Bon, attendez, je vais regarder quand même le prix d'une barrière.
Une petite barrière là, je suis sûr qu'on peut construire pour pas grand-chose. Ah, clôture, voilà. Vous voyez une petite clôture comme ça, ce serait très mignon. Combien ça coûte ça? 20$! Ouais, mais vous voyez en fait. Ouais, oh là là! Ah, mais c'est trop cher! C'est super haut d'ailleurs. Est-ce qu'on peut pas faire plus bas? Je suis un peu déçu, je pense. Bah, cela dit, non, pour des poules, c'est à peu près. C'est même ridicule en fait, une poule pourrait facilement sauter au-dessus de ça, mais bon. Ouais, non, il va me falloir du coup 20$. Je pense qu'il me faudrait à peu près 400$ parce qu'après il faudrait une porte et tout. Faut quand même qu'elles aient un espace assez important là. Oh purée. Je continue de surveiller parce qu'il est toujours là, hein. J'essaie de devenir ami avec lui, hein, parce que je pense que ça va être la meilleure solution sur le court terme, le long terme, je veux dire. Un petit lapin! Pinerfa Frosh. Paguna, Brashu et Arva. Il est où son. Oh! Leur abri, il est là! On l'a. Incroyable! Ils ont un petit abri à lapin et c'est là, ils sortent du truc! Oh, trop mignon! Adorable. Attention, il y a un renard, hein, par contre, par ici, hein. Purée, bon, moi, je veux bien passer la journée à parler avec tous les animaux, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il va falloir quand même qu'on. Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas d'argent, là. J'ai besoin de quand même bosser, quoi. C'est bon, elle a mangé, elle. Elle a mangé. Ah, peur du renard, ouais. Bon, bah, ça, je suis désolé, les filles, mais. On peut encore fertiliser? Ben, fertilise encore, hein. Je dois vraiment y aller, c'était sy très sympa. Plus, bah, sympa pour toi, mais pour mes poules, ça l'était beaucoup moins. Ah, il fait froid, mince. Mais une tenue pour. Voilà. Elle a un peu faim. J'aimerais bien l'envoyer aller chercher des poissons. On va l'envoyer ici. En plus, il y a quelqu'un. Ça, je pense que. Ouais, on va tout récolter ça. Et elle va aller pêcher. Compétence de jardinage niveau 3. Yes. Ça, c'est bien. Ah, j'ai cru que c'était un autre renard, mais non, c'est une poule qui est en train de se faire la malle là. Revenez, les poules. Elle prend des photos, elle, carrément. Petit lapin. J'aimerais bien avoir des poussins, mais pour le moment, j'ai l'impression que, je sais pas, il leur faut un environnement stable. Pinerfa Frosh. T'as fini, toi? Bon, on va aller l'envoyer se laver. Quand je pense que les poules vont avoir, entre guillemets, une maison avant même. Avant nous, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette. Non, non, c'est terrifiant, ça. C'est terrifiant, ça, c'est. J'ai l'impression qu'on veut me recruter pour une secte. Quelle jolie chanson. Oh non, elle a rien pêché, c'est une blague. Non. Ah non, elle a récolté. Ok, pour le moment, elle a juste récolté. Oh, qui est-elle? Ne touchez pas à ça, j'ai besoin de ça. Punaise, y a rien, y a plus rien. Peut-être que si on fait les poubelles là. Non, c'est vide. Oh. Arrête, Besterling. Toi, tu me dois tellement de sous. Je ne veux plus jamais te voir. Y a l'endroit. Ah oui, là, il va falloir aller creuser. Hop. Et je crois que c'est à peu près tout. Regardez comme c'est trop mignon, là, ces petits trucs. Oh, j'aime beaucoup. Alors que j'essaie d'organiser un petit truc comme ça aussi au fur et à mesure. Mais là, il nous faut déjà des revenus.
Ça a toujours pas poussé, ça met tellement de temps. Ah, et les lapins apparemment font des trous pour voyager. Qu'est-ce qu'elles ont les poules? Toi tu vas bien. Toi tu vas bien. Oh, pièce d'amélioration électronique, je crois que ça se revend bien ça. Qu'est-ce qu'il y a les louloutes? Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi. Qu'est-ce que vous voulez, mes filles? Bah oui, les louloutes, mais arrêtez de traîner un peu n'importe où là, c'est pas votre coin. C'est les pastèques. Ouais. Ah, t'as faim, je sais, mais là pour le moment, on a juste des framboises. J'aimerais bien trouver une solution pour les cuisiner en fait. Va pêcher, tiens. Hop. Qu'est-ce qu'elle a trouvé, elle? Peut-être qu'avec un peu de chance. Lucas Munch, pourquoi? C'est bizarre comme appel. Bonjour ma chérie, c'est papa. Quand vas-tu venir nous voir? Je donne tout mon amour et fais beaucoup d'efforts pour t'élever. Tu pourrais au moins venir de temps en temps et dire à ton vieux père que tu l'aimes, non? Mais... Comment ça, papa? Mais... Mais n'importe quoi. Mais c'est pas mon père. Personne âgée, bah oui. Qu'est-ce qu'il y a... Pourquoi... Mais qu'est-ce que c'est que cet appel? Bon, je ne sais pas. Ah, mais il y avait la plante vache aussi. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Oh, poisson. Poisson os, Captain Arrête, quelle horreur. Bon, on va vendre ça. C'est vrai qu'on avait la plante vache à vendre. Qu'est-ce que je fais? Mince. Ah oui, et ça, on peut vendre. Pièce électronique, ça nous fait 240$. C'est vrai qu'on avait la plante vache qu'il fallait planter. Ça me fait quand même très peur. Oh, elle en aurait attrapé un? Non, c'est juste moi qui ai l'impression. Oui. Ah, quoique. Non. Le problème, c'est que si je plante maintenant la plante vache, j'ai peur qu'on n'ait pas de nourriture. Je crois qu'elle mange que de la viande, non? Quoique, je me demande si c'est pas. Ça m'embêterait de. Oh! Pas mal, pas mal. Ben. Alors, attendez, je vais regarder là-dessus. Est-ce qu'on peut faire griller? Ah, elle pourrait aller faire griller le saumon, ça pourrait être pas mal. Ou le ragoût de la récolte. Mais oui, ça aussi, ça pourrait être une bonne chose. Celle qui a récupéré, je crois, les. Ah bah non, c'est peut-être pas elle. Ah non, non, là, c'est les trucs qu'elle avait avant, j'ai pas trop le droit de les utiliser. Poisson entier en papillote. Par contre, ça, je pense que c'est bon. Je sais plus ce qu'elle avait et ce qu'elle avait pas, mais. Voilà, il faudrait que je fasse. Il faudrait qu'elle cuisine en fait que des trucs. Saucisse de verre. Qui ne dépense pas de l'argent, parce que pour que ce soit un peu plus réaliste, ce serait quand même logique. Mais en fait, il n'y a que elle qui a un poisson, mais je pense que c'est ce qu'on va faire. Bon, après, ce poisson-là, il m'embête un peu parce qu'il est quand même bien cher, ce poisson. Ah, mais elle va peut-être en pêcher un autre. Allez, allez, ma belle. Oh! Je crois que celui-là, il est encore plus cher. Du thon. Bon, on va vendre le thon. Le thon, c'est pas mal. 300$. Yes! On progresse, on progresse. Promis, je te jure, on va faire à manger juste après. Après, tu iras t'occuper un petit peu encore des plantes. Ah, et non, celle qui a toutes les récoltes. C'est vrai que celle que je lui fais récolter. Il est déjà 16h en plus. Toi, t'as rien pêché d'autre d'extraordinaire? Non, j'ai pas l'impression. Ce serait bien. La dernière fois, elle a pêché quand même un truc qui valait une fortune. Oh, il y a des beaux poissons là quand même à certains endroits. Hein. Allez, pêche un poisson, ce sera le repas du soir. C'est moi là où je vois un renard qui se dirige vers chez moi là. Non? Si! Oh purée!
je le vois plus. Je le vois plus. Eh bah tant mieux. Maudit renard. Ouais, non, non, il me faut absolument une barrière. Après, je sais même pas si la barrière va pouvoir empêcher le renard de faire des bêtises, mais bon. Alors, toi, tu vas arrêter. Tu as pêché. Encore un poisson, os, machin. Bon, allez, on va lui faire cuisiner ça. Si elle peut, je suis pas sûr. Voilà. Allez, va faire ton poisson sur bâton. Non, non, pourquoi elle est partie Ah, parce que je dis d'aller creuser. Bon, bah, à la limite, que ce soit elle ou une autre, maintenant... Non, non, non. Non, pardon, c'est pas ça que je voulais. Le terrain est tellement loin. Je vous jure, faut vraiment que j'achète de quoi faire à manger chez eux. Mais le problème, c'est que... Ça coûte cher, là encore. J'ai pas les sous. Oh, yes, elle a à nouveau de l'engrais. Eh ben, écoute. Rajoute un peu d'engrais... Ici. La capsule temporelle. Allez, on croise les doigts. Ah mince, c'est ça que j'avais fait. C'est pour ça que ma pomme, il y a un cœur, en fait, je viens de comprendre. Un hooper. Pff, nul. Ok, bon. Fais les poubelles, c'est très bien. Et ma plante vache, qu'on va aussi... planter. Voilà. J'ai un peu peur, hein, parce que la... Oh là là. Comment ça, il faut une poubelle? Mais on a une poubelle, c'est pour ça que... Bon, ben, je vais mettre ça dans l'inventaire, hein, écoutez, à nouveau, mais... La poubelle, elle est loin, mais on a une poubelle, là. Oh, faut que je remette ça dans l'inventaire. Non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh, zut, je fais n'importe quoi. Mets ça dans l'inventaire. Bon. La plante vache, tu vas la planter, ma belle. Allez, il est temps de prendre des risques. On ne deviendra pas riche en faisant... Voilà, super. Et on va aussi la fertiliser. Ah bah non, on va pas la fertiliser. Bon, je vais l'envoyer faire à manger. Oh là là, regardez-moi les voisins, je vous jure, on est vraiment dans un dans une autre ambiance. Hein. Toi, tu vas griller ton petit poisson. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Oh là là, t'es pas assez sale, toi. Bon, il est 18h, on va faire rentrer les poules, hein. Je pense que... J'aime pas trop les savoir dehors. Hein. Oh, il y a déjà à nouveau des œufs. Et faire rentrer les volailles. Allez, hop. Ensuite, tu vas aller aux toilettes. Tu prendras une douche. Et puis, on va pouvoir manger tranquillement ce soir. On a quand même reçu du courrier, c'est vrai. Ah, elle va creuser là, ici aussi. Ça pourrait être... Et là aussi... Oh, on a ramassé encore des œufs. Alors, allez, là j'y crois. Hein. Je veux un œuf. Où ils sont ces œufs? Où ils sont? Oh là là, ça m'énerve tout ça. Bon, ça on va vendre. Bon, bah celui-là. Les deux peuvent pas. Non. Non. Oh là là. On va y arriver. On aura un jour un poussin, hein, parce que... C'est pas faute de les... Oh ? Oh ? Mais je crois qu'au fur et à mesure... Mais ça y est, là, on commence. Elle commence à... Oh ! Est-ce qu'on va entendre un bruit de crac-crac de poule ? Oh ! Eh ben les loulous, je pense qu'on va bientôt avoir un poussin. Oh, ce serait bien. Oh, oh, on a nos citrouilles. Ah, oh, nos citrouilles sont prêtes. Oh là là. Oh.
Elles sont pas mal. Pas aussi grandes, j'espérais un peu plus, mais. Il est où le repas, tiens? Elle a fait à manger, mais elle l'a. Elle a déjà mangé? Elle a tout mangé, il n'y a pas. Elle a un autre poisson. Fais un autre. Oh punaise, fais un poisson pour Micheline là. Bon, ils me disent qu'elle a retrouvé une roche calcaire, mais. Ah voilà. Oh super, ça va nous faire des sous en plus. Là c'est pas mal, là on a quand même 380. Les poules, je vous avais dit de rentrer, non? Pourquoi vous êtes dehors là comme ça? Alors, regardons justement nos citrouilles. Ah, on voit le poids à chaque fois. 4 kilos, 4 kilos, 4 kilos. Hein, pas mal. Eh ben franchement, celle-là, j'ai presque envie de la garder. Allez, 7 jours avant péremption. Je pense qu'on aura peut-être le temps de faire mieux que ça. Non. Alors, on va à nouveau acheter. Non, c'est pas de l'engrais que je voulais. Eh ben écoutez, moi je dis refaisons des citrouilles. Voilà. Oh purée, va-t'en toi, tu n'es pas censé être là, tu ne sais pas que j'existe encore. Oh. Va-t'en. Toi, Rosée. C'est bon. Elle mange pas hein, par contre le truc. Tu le mets dans ton inventaire, tu le ramènes. Oula. Ça va être un peu salé, Madélia, mais au moins tu auras à manger. Pas ramasser ça, on peut pas. Voilà. Mettre dans l'inventaire. Allez, ramasse ça. Super. Bah écoute, tu vas pouvoir aller te coucher. On va juste ramener le plat pour Delia. Toi, tu vas. Mince. Ah, la tente, elle se déplace aussi facilement. Bon, on va la mettre un peu sur le côté. Toi, tu vas aller prendre une douche. Tu iras te coucher. Et Delia, je crois qu'elle a direct vu le repas. Tu m'étonnes, elle est tellement affamée. Les poules, elles sont encore dehors. Ouais, alors la journée de la coupure d'eau, je vous avoue que je ne l'ai pas senti passer, hein. Allez hop! Va au poulailler là, je sais pas ce qu'elle a là, elles se sont exclues parce que les deux autres ont fait crac-crac. Bah écoutez, que voulez-vous que je vous dise les poules hein? Elle est en train de rentrer, c'est très bien. 500 dollars. Bon, honnêtement, je voulais faire une barrière pour les poules. Combien de jours il nous reste? Parce que mine de rien, il y a l'hiver qui se ramène. Quand même progressivement et ça me fait un peu peur. Oh, on est encore en. Ah bah non. Non, 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 non. L'hiver arrive dans. Oh là 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 là. Oh. Ouais. Ah, le foire aux plantes, c'est dans super longtemps. Bon, bah on va vendre toutes les plantes, ça sert à rien. Mais effectivement. L'hiver, c'est dans quelques jours. Donc, il va commencer à. Va vraiment falloir. Ah, mais je suis bête, on a une tente en fait, on s'en fiche. Bah oui. Même si, bon, c'est vrai que. Oui, on s'en fiche, je pense. Je crois. Je suppose. La tente, ce sera bien assez. J'espère, hein. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des revenus, je sais pas trop comment on va faire. Est-ce que c'est pas le moment pour investir, essayer d'avoir des vaches? Tu vas te coucher, ma belle? Ah, mais elle est en pleine forme, mais comment ça se fait? Bah non, on va un peu pêcher, en fait, hein, écoute. On va un peu pêcher. Toi, par contre, t'es fatiguée, tu vas aller dormir. Qualité.
C'est... Ok. Ah oui, j'avais dit que j'allais vendre la citrouille. Voilà. Oh! Un poisson bonbon. Ça, il faudrait que je trouve une manière de jeter, mais je sais pas comment faire. Ah, mais je peux le placer directement. Voilà, elle jettera ça comme ça c'est bon. Allez, allez, un autre poisson. Oh non! Bon, très bien. Très très bien. Je surveille quand même. Oh, on entend. Oh! Oh, super! Regardez, il a poussé. Mais je pense qu'on n'aura pas le temps, malheureusement. Il donnera pas de pommes à temps. C'est dommage. Mais on va avoir notre premier arbre. On pourra, genre, ici faire un verger. Là, on aura les plantations, la maison dans le coin. Oh, ça va être mignon comme tout. Et puis les vaches, les poules. Un autre poisson bonbon. Allez, continue, ma belle. D'ailleurs, je me demande si elle n'a pas découvert. Voilà. Et même un saumon maintenant. Oh, 700 $, mais on va devenir riche. On va devenir riche, on commence progressivement là. Combien ça coûte à votre avis une vache? Je sais que l'enclos, on est autour de. C'est 500 simflouz, l'enclos. Mais j'ai peur que la vache soit 400 ou 500 simflouz, quoi. Ce qui serait logique. Ah. Va peut-être un peu te coucher parce que c'est vrai que t'as bossé toute la nuit. Va dormir un petit peu parce que demain on a pas mal de boulot encore qui nous attend. Ça va bientôt tarder, ça va pas tarder à pousser je pense aussi nos laitues. Oh yes, on a même une grenouille. Grenouille surfeuse du soleil. Bah, vous savez quoi? Wouah! Écoutez, moi je pense qu'on va acheter le truc pour les vaches. Il n'y a pas de raison. Alors où est-ce que ça doit être là-dedans? Parce qu'on a, le poulailler, c'était 400. On pourrait acheter le paradis des insectes, mais je suis pas sûr que ce soit très rentable. Et l'abri. L'abri pour. Oula, c'est grand ça! C'est très grand. Ouais, et ils disent que c'est vendu séparément. J'aimerais bien connaître le prix avant d'acheter, mais malheureusement. Ah! Si j'appuie sur vie, je crois que c'est trop tard, hein. On pourrait aller dormir là-dedans, hein, franchement. Bon, en fait, l'abri, je pense qu'on le mettra là, juste à côté de la maison. Et le poulailler, peut-être par ici. On verra. On fera des changements tôt ou tard. Mais là, pour le moment, on va juste l'installer comme ça. Je vais juste regarder. Acheter un animal. Oh! Bah, on a tout pile. Ah, les lamas doivent être gardés dans un abri pour animaux. Les lamas produisent de la laine qui peut être utilisée pour réduire le coût de certains modèles de points de croix et être échangée contre des vêtements. Ah. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Une vache ou un lama? Moi, j'ai grave envie de dire un lama pour le moment. Oh, une vache, c'est belle. J'aime bien une vache aussi. Oh. J'ai envie d'avoir une vache d'abord. On va prendre une vache. Non, 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 tu vas pêcher un petit peu. Je veux une vache. Trouve-moi les sous, je veux une vache. Oh non, il pleut. Oh là, il y a même un. Oh! Oh non, et me détruisez pas un truc. Oh là là, j'ai grave peur là maintenant. Acheter un animal, on va acheter notre belle vache. Va te coucher.
non, non, va voir la vache. Trop belle. Bon, rentre chez toi, ma petite vache. Oh, oh j'adore. Va dormir. On verra ça demain. Oh là là. Oh là là, ça fait du bruit en plus, hein. Bon, au moins j'aurais pas besoin d'arroser les plantes. Bon, j'ai pas l'impression que le terrain ait pris des dégâts pour le moment. Alors la fête des récoltes, ça va être compliqué, hein. Ouais, je suis pas sûr qu'on va pouvoir faire grand-chose pour la fête des récoltes. Oh, on a quand même eu des pommes! Oh, super! Oh, un nain est apparu! C'est pas les nains agressifs là, et en fonction de ce qu'on fait, ils peuvent être. Oh là, j'ai grave peur, parce que moi je crois que j'ai déjà eu quelqu'un qui a failli mourir comme ça. Hein. Oh! Oh non, s'il vous plaît, pas un de mes objets, pas un de mes objets. Oh, j'ose pas sortir dehors. Personne n'est sorti d'ailleurs, ni vache, ni poule, personne n'a bougé, hein. Oh! Oh, j'aimerais bien que l'orage se termine. Ah. Je pense que c'est bon. Bah tiens, ça va être l'occasion. Ah non. Je veux dire. Non, si, ça s'est calmé là, je pense. Ah! Voilà, ça s'est bien calmé. On va aller chanter avec le gnome. Donner un bout de tarte, je sais pas c'est quoi ces trucs. Ça me fait peur, je sais que des fois ils arrivent et ça il se produit des choses un peu étranges. Hein. Il n'y a plus de pluie, madame, donc ça sert à rien de frotter. Hein. Madame. Voilà. Eh oui, bah écoute, c'est comme ça, c'est la nature. Hein. Allons ramasser les œufs. Bonjour les poules. Et on va les appeler pour manger. Oh, bonjour la vache. Comment va-t-on l'appeler? Trèfle. Ah ben c'est parfait. Oh comme elle est belle. On va nourrir Trèfle. On va la laver. On va lui demander. Un œuf pouvant éclore. Ça y est, we did it. Et on va la traire juste après. Alors, œuf pouvant éclore. Eh ben celui-là, on va le mettre dans le poulailler. Oh, génial. Oh. Je vous jure, ça me donne tellement envie d'aller à la campagne. Oula, pourquoi elle est pas contente? Ah, on va la traire. Allez, ma belle. On a besoin de ton lait, c'est un bien précieux. Non, mais pas partout, hein, c'est important. Oh, ma louloute. Wouah, tout le lait qu'elle nous a filé. Oh. Bon, après. Ah. Excellent. 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 Normal. On va vendre. Oh. Wouah, merci, ma belle. Oula, mais elle est. Par contre, elle a un caractère, hein. J'essaie de. Ah, le gnome. Ça s'est mal passé avec le gnome, apparemment. On n'est pas au niveau 8, sinon ça sert à rien. Encourager la croissance du produit. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Oh, arrêtez les gnomes, vous me faites peur là! Et tout vendre.
Oh, trop mignon, ma belle vache. Rappeler la nature étonnamment clémente de la plante vache. Oh, adorable, adorable, mes amis. C'est quoi ça? Ah, une pastèque, c'est un truc en fait, c'est pas. C'est bizarre ça. Attendez. Non, faire un selfie avec la culture, effectivement, la pastèque, elle va prendre une place. Ah bah j'espère que c'est rentable, hein, parce que. Ah. Oh, ça y est, elle joue dans l'eau, elle. Bon, il va quand même falloir. Parce que là, on a 200 dollars. Il faut qu'on trouve de l'argent. Bon, je vais vous laisser tout seul, les animaux. On peut l'améliorer? Oh. Mais j'ai pas de quoi. Et celui-là, est-ce que je peux améliorer? Non, on n'a pas encore les pièces. On verra ça plus tard, mais c'est pas mal. Eh ben, on est pas mal, franchement. La prochaine, là, l'étape suivante, je pense que ça va vraiment être de construire une maison. En fait, je suis en train de me dire que ça, on pourrait peut-être même vendre. Je sais pas. Oh, elles sont devenues bonnes amies. Eh ben, comme quoi, fuir la société et vivre dans la nature ensemble, ça nous a rapprochés, toi et moi. Elles ont quand même fait de la prison aussi ensemble, mais. Qu'est-ce qu'elle a, la poule? Alors, allons voir s'il y a de quoi récolter et de quoi. Oui, tout récolter. Tout récolter et on va pêcher. Tiens, bah toi, cherche des pièces et jette ça. L'œuf, il est du coup dans le. Oh là là, j'ai hâte, on va peut-être avoir un poussin. Enfin, on va peut-être, j'espère qu'on va avoir un poussin. Faudrait que je regarde, tiens, action améliorée. Qu'est-ce qu'il faut exactement? 3 pièces d'amélioration d'abri pour bétail. Ok. D'accord, il faut qu'on aille il faut qu'on aille aider les villageois. Ok, c'est pas la peine. D'accord. Ok. Bon bah c'est pas mal. Ce truc là j'aimerais bien qu'il dégage. Implore le pardon de ce truc parce qu'il me fait vraiment trop peur là. Et pourquoi il a l'air aussi énervé comme ça? Carzini Bobé, Bonneray. Oh mais qu'est-ce que. Et c'était positif ou négatif? Ça j'ai pas compris. Oh punaise, je déteste ces nains, c'est pas vrai. Oh là là, mais vous. Il m'a fait tellement peur. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Non, non, non. Ah oui, pardon. Je suis bête. À chaque fois qu'ils me disent récolter, je pense qu'elle a arrêté de pêcher. Alors. Oh, non! Le renard. Ah là 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 là. Faudrait peut-être qu'on adopte aussi un chien en fait. Ça pourrait être pas mal. Arrête! On va chanter pour Grey. Voilà. Essaye un peu de le calmer. Voilà, très bien. Occupe-le comme ça me va parfaitement. Alors toi, waouh, c'est vrai qu'on a. Bah écoutez, ah, il y a aussi le fossile qu'il fallait extraire. Oh, dis-moi que tu as pêché un truc extraordinaire. Allez, vas-y, vas-y. Ah oh, bah non, on le pêche rien.
Allez, là, il faut que tu ramènes le repas pour ce soir, hein, quand même. Hop, hop, hop. Allez, allez, on y croit. Bon, c'est pas extraordinaire, mais ça fera l'affaire. Voilà, Voilà, oui, parfait. Ah mince, ça c'est une plante, on va pas la déraciner, on va pas voler les plantes du terrain. Même si honnêtement. Non, 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 il revient là, là, là. Le laisse pas, hein. Occupe-le, hein. Non, non, fais pas des recherches sur la plante. Oh, et la vache, pourquoi elle est toute sale? Comment elle a fait? On arrive, la vache, on arrive. Alors, grenouille, ça on va vendre. 10 dollars. La graine de pastèque, non, ça c'est important. Ça, on n'y touche pas. Ok. C'est une relation compliquée, lui et moi. Allez, va-t'en, arrête d'embêter Kix. Oh, allez, on va nettoyer la vache. J'ai l'impression qu'il y a une poule, elle est un peu sale, elle, non? Qu'est-ce qu'il fait, ce renard là? Je me méfie, hein, je vous jure, il me fait vraiment trop peur. Oh, elle a l'air toute contente, cette vache. Trèfle. Oh. Oh! Arrête ça tout de suite, là, parce que là, il me fait peur. Oh, le renard. Ouais, non, ne le laisse pas. Ouais, bah tiens, allez, faites rentrer les poules. Parce que là, ça me stresse trop. Allez, les poules, vous rentrez, de toute façon, il est. Oh! Oh, il y a toujours le nain en plus. Mais vraiment, cet endroit devient de plus en plus terrifiant et creepy. Oh, on peut la traire à nouveau! Oh, génial! Allez, vas-y, ma belle. Oh, super! Mais ça veut dire qu'on va devenir tellement riche grâce à ça. Oh, bah, ça, c'était un bel investissement, hein, je vous le dis. Hein. Bon, en même temps, elle m'a coûté 400 dollars, hein, cette vache. Quoi, il est pas l'heure là, le coq. Calme-toi. Alors, elle a pêché deux poissons. Eh ben, c'est très bien. Tu vas aller. Oh, qu'est-ce que c'est? Voilà. Non, non, stop, 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 stop. Voilà. Hop, tu as assez pêché. C'était très bien. Tu as vraiment bien fait. Et ça coûte 150 dollars! Yes, bien joué, ma belle! Et on a un fossile. 70 dollars! Oh mon dieu! On est à 700. On est à 700. On va pouvoir commencer progressivement à faire une petite maison. Alors, elle s'est fait. Oula! Va mettre ça dans l'avant. Oh non! Elle a mangé le truc ou pas? J'ai pas compris. Le truc. Ah, c'est bon. Le truc a disparu. Bon, alors fais ça rapidement pour ta copine. Allez, allez, j'ai peur là. Vite, vite, vite. Ici, comment ça se passe? Tout le monde est rentré. Tout le monde est rentré. Bon, très bien. Non, non, non. Mange pas ça. Hein. Le mange pas. Purée. Oh non, elle le mange. Oh non! Mais. Oh purée, non, 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 non! Alors ça devient. Non, non, stop! Non, s'il vous plaît, madame, je sais pas ce que vous allez prendre, mais ne prenez rien, on n'a vraiment rien. Ouf! Je suis prêt à payer. Oui, bon, on est vraiment une communauté soudée, mais là vous allez me payer pour des impôts alors que j'ai pas de sous, on vit dans la rue. Oh, c'est gentil, madame.
Mais moi je suis prêt à payer là, faut juste... Oh, qu'est-ce qui se passe là? Oh! Non! Non! Oh! Non! Purée, à cause de cette idiote là! Ah non! Non, il va pas prendre le poulailler en plus! Attrape-le! Attrape l'œuf! Non, non, non! Punaise, mais j'en peux plus là! Oh! Oh, j'ai eu si peur! Non, laissez-moi ça! C'est la journée des moissons, il faut être reconnaissante! Non! Mais c'est pas vrai, elle est. Non! Qu'est-ce qu'elle m'a pris? Cette journée est chaotique, j'en peux plus. Je vais lui demander un petit prêt maintenant qu'on est devenu. Qu'est-ce qu'elle a pris? J'ai pas compris. Elle aime le style de décoration campagne française. Bah, c'est bon à savoir. Non, mais attends, t'es où toi? Mais rentre enfin, toi idiote! Tu vois bien que j'ai des soucis là! Oh purée! Oh, cette journée, j'en peux plus! Elle en a marre là! Bon, allez, écoutez, moi je vais me coucher là, on prend trop de risques. Non, non, dégage-toi la vieille, allez hop! Comment ça, je peux pas aller dans le. Pourquoi je suis coincé? Elle me retient ou quoi? Je comprends pas là. J'ai pas envie de mourir là. Et si je paye la facture là, peut-être maintenant là. Qui c'est elle encore là? C'est pas vrai, j'avais complètement. Je pensais pas que. Je pensais qu'il coupait juste l'eau, mais. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramasse les œufs! Elle a pris une poule! Non! Purée! Non! Elle a pris une poule! Au secours, ma poule! Ah! Non, mais c'est pas vrai! J'ai tout fait! Elle a pris ma poule! Ouais! Oh, j'y crois pas! J'ai tellement envie de pleurer! Vous voyez une carte de remerciement. Oh. Oh non. Oh mais j'hallucine, je suis vraiment trop triste. Retourne te coucher là. Allez-vous-en, barrez-vous de chez moi. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a un truc qui a pris un coup de... Oh là là, c'est vraiment un mauvais temps, hein. Bon, eh bien... C'est sur cette terrible journée. Je me demande laquelle des deux poules, mais je crois qu'on peut regarder, mais ça va me faire vraiment trop de la peine. Oh, j'y crois pas... Oh, je... On m'a pris une poule, vous vous rendez compte comme... Oula. Oh, mais oui, on... Je m'étonne. Oh, ça me rend trop triste. Ma poule, quoi.
Il est pas parti ce truc dégueulasse là? Je commence un peu à en avoir marre. Bon bah voilà, ça va être sur cette terrible tragédie. Stop là, je commence à en avoir assez là des histoires. Hein. Fais-le dégager là, j'en peux plus. Barre-toi. Elle est pas allée aux toilettes, je comprends pas. Oh ma poule, ouais. Et elle a toujours faim, on n'a pas eu le temps d'aller aux toilettes. Oh, punaise, ça a été vraiment une journée effroyable, hein. Ok, on nettoie tout ça. Et puis ben. Oh oui, il est 2 h du matin. Non mais attendez, voilà. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Allez vous coucher, vous avez encore un peu de temps. Et on se retrouvera la prochaine fois pour la suite des aventures de mes deux fermières. Avec 700 $, je pense qu'on va commencer à. On va pouvoir construire une toute petite pièce, mais vraiment toute petite. Et qui nous servira, j'allais dire, un petit peu peut-être de cuisine. On va pouvoir commencer à vivre avec nos propres aliments. On n'aura plus besoin d'aller chercher les poissons à l'autre bout. Et ça va être super bien. Ok. Je vous remercie. Alors attendez. Oh non, on a perdu Kiglous. Purée. Et elle a remis dans le poulailler l'œuf. Il est devenu quoi? Je comprends pas. Et il y a un œuf quand même qui est. Je sais pas, j'arrive pas à savoir. J'espère qu'on a quand même un poussin en devenir. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que là, franchement, ça me rend trop triste ce qui s'est passé. Avoir perdu la poule comme ça. Comment ça? C'était quoi cette douche ridicule? Bon, on considère que les factures sont payées. Là, j'ai besoin d'en payer parce qu'ils me disent plus rien, mais ça me fait trop peur ces histoires-là. Il m'est arrivé trop de drames hein, en une journée, là, je vous le dis. Hein. Agatha, la dentelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bah, écoutez. Je sais pas si je vais pouvoir sauvegarder comme ça. Parce que j'allais dire, on va se quitter là-dessus, on se retrouvera la prochaine fois. Ah bah si, j'ai l'impression. Eh ben écoutez, on se retrouve la prochaine fois. C'est trop mignon ce petit endroit. Adorable. Ah bah non, mais en fait, c'est juste. Elle m'invitait à venir en fait, je pense. Ouais, c'était juste ça, rien de particulier. Bon, on ira en ville une autre fois quand on serait un peu mieux installé parce que. Mais c'est trop mignon cet endroit, adorable. Adorable. Très bien. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, week-end, tout ce que vous voulez, semaine. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et pour commencer la construction de la maison. Au revoir tout le monde, bye.